Avertissement. N'essayez pas d'imiter ce qui suit. C'est pas vraiment que vous pourriez vous blesser, c'est plus que vous risqueriez d'avoir l'air fou. Ce soir, à Que feriez-vous pour 100$? Geneviève Giguère de Sainte-Brigitte-de-Laval. Numéro 39 085, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Ah, on sort déjà des choses. D'accord. Ah. Ma chère, que feriez-vous pour 100$? Pour 100$, je suis capable de faire des très, très gros rotes. Bien, avec premièrement rien. Puis deuxièmement, j'en ai avec soit du lait, soit de la liqueur ou soit de l'eau. Au choix. On a le choix. Est-ce que ça fait longtemps que tu éructes? Ben, je dirais pratiquement depuis toujours, là. C'était juste pratiquement des gars avec qui j'ai été élevée. Fait que ça faisait des concours de rotes, puis je les battais toutes. Ben, allons-y pour un rot normal, sans rien. Le lait? Ben, je sais pas. Ou l'eau, je sais pas qu'est-ce que t'as mieux. Oh, allons-y avec le lait. Mais un verre de lait, c'est bien, mais on peut faire deux verres de lait. Mais deux, c'est mieux. Darth Vader sort de sa corps. Ouais! Parfait. Là, on va le faire, mais j'aime ça quand tu fais ton petit geste, tu le fais vers moi. J'aimerais ça que tu le fasses vers la caméra, là. Tu sais, tu fais comme un... quelque chose ouais, de même. Ben, oui, c'est chic, hein? Non, mais parce qu'on va penser que ça vient de... je sais pas où, là. Pour être sûr que ça vient de toi, là. Oh, boy! Oh, ma mère, elle va être fière. En terminant, si je te demande le plus gros... C'est pas la longueur, mais juste un rap. Ben là... Non, mais là, il fait... Mais tu veux faire juste un rap. Un gros, oui. Un boom? Juste un... Oui, un boom. OK, je vais essayer de te faire un boom. Comme quand on fait une bombe dans une piscine. Attention! Merci beaucoup, ma chère. Vous avez aimé ce candidat? Votez dès maintenant sur tva.canoë.com jusqu'à minuit. Le gagnant de la semaine sera dévoilé ce jeudi. Qu'est-ce que tu vas faire avec le 100$ si tu gagnes? Bon, je vais revenir ici pour venir chercher le voyage. Ah, d'accord. Merci beaucoup.